This is the day, comme diraient nos amis bretons. Oui, c'est le grand jour, puisqu'il vient d'arriver, les trous ferrés de hier, et Signalis s'est enfin posé en disponible pour le public via différents réseaux de distribution. Et je vais m'étaler un petit peu sur ce jeu, parce que je l'avais repéré depuis un moment, il m'avait tapé dans l'œil. Alors pourquoi Signalis m'avait tapé dans l'œil? J'ai beaucoup apprécié dans ses trailers le pixel work, oui, qui était vraiment mis en évidence, plus que travaillé, et qui vous sautait tout de suite au visage. Et puis après, le gameplay, quand on l'observait, qui rappelait étrangement un certain Diable Resident. Oui, un Resident Evil sauce PS2, on va dire. Et vu de dessus, ouais, c'est à peu près ça. Donc forcément, on vous tease avec ça, on le met fortement bien en image et en scène. Avec une musique un peu étrange et mystérieuse, le tout saucé dans une ambiance cyberpunk qui n'est pas sans rappeler un certain esprit dans la machine, Signalis a tout pour accrocher. Maintenant, on va mettre les pieds dedans, le pad ce sera moins sale, et on va voir ce que ça donne en vrai, puisque je dois avouer que j'ai observé quelques parties chez des collègues, salut Médoc, et que le jeu ne s'est pas révélé sous ses meilleurs aspects malgré les efforts du présentateur. Vegette meilleur que Elmedoc, vous allez le savoir tout de suite. Non, j'ai pas l'intention d'être meilleur que Médoc, c'est pas possible. Y a qu'un Médoc de toute manière déjà et d'une. Et être meilleur que lui, ça sous-entendrait faire des recettes. Et là, je m'y engage pas, quoi. Parce que sur les cocktails, je suis bon. Mais alors sur les recettes de cuisine, c'est plutôt random. C'était l'instant meublage pendant qu'on fait le setup. Il arrive. Le voilà. Juste vérifier la balance avant. Paquet de cata. Le son m'a l'air faible. Alors, petit setup. Ah, je vous ai pas bullshité quand je vous ai dit qu'on revenait sur des vieilles machines. Regardez, c'est votre écran qui déconne. Va falloir l'amener à réparer, les gars. Non, c'est vraiment l'effet du jeu. Français, curseur de visée toujours. Standard, oui, on sait pas. Moi, je suis un boulet. Donc, on met les mollo. Déjà, les Resident Evil, j'ai pas été une star. Mais alors là, UG éclair, c'est quoi? Équipement automatique dans les tournages. Ouais, on va tout prendre ça. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Il m'a semblé remarquer justement dans l'émission du susnommé Médoc que effectivement le jeu s'éparpillait dans beaucoup de directions et que l'action devenait mineure et même peut-être pénible, faut voir, à haut niveau. Normal, difficulté des combats, on viendra pleurer plus tard si ça va pas. On applique, on applique. Mais on conserve, oui. On va vérifier l'affichage. Parce que ça, c'est peut-être un peu beaucoup comme résolution. Vous avez pas ça, vous. Enfin, je crois pas. Si vous l'avez, c'est inquiétant. Très bien. Full screen. La synchro, je pense pas qu'on va voir Thierry. Ce serait un peu plaisanté. Luminosité, j'ai quoi comme repère ça? On va monter. Je vais vérifier d'après le retour. Parce que c'est le retour vidéo qui compte. Moi, mon écran est volontairement bas. Vu que j'y passe beaucoup de temps, sinon ça me défoncerait les yeux. Soubresaut de l'écran, magnifique. J'achète. Graphims. Allons voir les Graphims. Alors d'habitude, on smousse les jeux. Et Signalis, lui, au contraire, il se génère du pixel. Parce que oui, il y a beaucoup de formes qui sont apparemment vectorisées. Tout le jeu est en fait en 3D, je crois. Et il y a un rendu pixel par-dessus, j'ai l'impression. Enfin, moi, c'est l'effet que ça m'a fait dans la bande-annonce. On verra si ça se voit mieux dans avec le vrai jeu dans les mains. On va tout laisser, ça. Ouais, c'est bien, c'est la classe. Mode certé, fais voir. Oh! Oh! Il y a des gens qui portent des lunettes. Regardez, mettez vos lunettes, allez-y. Mettez-les là, maintenant. Voilà, touchez rien. Gardez-les sur le nez. Eh ben, je vous les enlève. Ça fait exactement le même effet. Ça s'appelle un mode flou, ça, madame. Mode CRT, ok. Contrôle, ce qu'on s'en occupe tout de suite, s'il y a du mapping clavier, oui, tant qu'à faire. Manette.
Rire, se déplacer. J'espère que c'est bien mappé, sinon je vais crier. Ok, on va commencer clavier souris, ce sera mieux. Régler la radio, mais c'est Silent Hill. Trop bien. Inventaire, carte, faut que j'y pense. Ça me sera sans doute rappelé pendant la partie. J'en doute pas. Ok, il y a une histoire de radio, c'est bizarre ça. Recharger, module, interagir, utiliser outils. Ok. Apprêter l'arme. Ah, j'ai cru qu'il confondait avec recharger. Bon. En plus, j'ai ce modèle avec les boutons latéraux. Il y a juste ma roulette qui va être mal comprise, je présume. C'est régler la radio. Bon, on s'en fout. Très bien. Contrôle manette, sud. Que voulait-il dire par sud? Contrôle clavier. Par défaut. Ok, si je regarde. D'accord. On aura le temps de pleurer hein, d'ici là. Oui, allez hop. Terminé. Signaliste, système calibré. Ce jeu peut comporter des aspects considérés comme violents ou cruels. Je vais vérifier que vous avez vraiment le volume haut parce que je le trouve très très bas. Je vais peut-être retourner dans les options. Je vous le montre même beaucoup, ça va peut-être gueuler d'un coup, on verra. Ouais, effectivement, je confirme, c'est du vectoriel qui a été mappé pixel, on va dire. La souris, ça va peut-être pas me plaire. Alors, comment on bouge? On bouge au... On s'oriente en fait avec la souris. Et on bouge au clavier qui est effectivement, vous l'aurez tous deviné, mal mappé. Je reviens. Je peux même pas prendre un air surpris, de toute manière, c'était une évidence depuis le démarrage. Mapping de clavier, where it is. Ok, you want me to bascule the jeu in English, c'est ça? Enfin, the clavier in English? Non, parce que là, tu m'as un peu biflé, quoi, bonhomme. On peut pas faire un truc personnalisé. Je suis débile ou quoi? ZQSD. Vous avez des paramètres non appliqués. C'est moi ou je vois pas de proposition de personnaliser vraiment le clavier. Bon, ok. Bon, ça va peut-être finir à la manette, hein, cet embrouille, ça je vous le dis tout de suite. Je pense que c'est même exactement ce qui va se passer. Oui, mon clavier est mappé comme un cochon. Allez, manette. Dommage. Bon, manette, je bouge avec le stick gauche, je m'oriente avec le stick droit. Pour l'instant, c'est cohérent. Il faut bien voir qu'on est en 2D vue de dessus avec cette inclinaison particulière. Mais vous allez vite reconnaître certaines similarités. Hop, on sait ouvrir une porte. Ça, c'est chouette. On sait prendre un ascenseur pour monter. Je visite un peu. Est-ce que j'essaye les commandes un peu? De toute façon, j'ai rien. Ah, un inventaire. Avec des slots. C'est quoi ça? Diagnostic. Ça doit être pour sauvegarder, je présume. C'est marrant, hein, parce que ça fait authentiquement vintage, ces commandes. Menu d'action. Ok. We'll check later. Ah, j'ai une map, ça c'est important. Au poil. Allez, on y go. Je vais me remonter le son, par contre. Oui, bon, si j'ai envie d'être dans l'ambiance. Alors, il est vendu comme un jeu d'horreur d'action.
Et c'est sa similarité d'ailleurs avec le Resident Evil. Une grande porte on ouvre. Hein. C'est fait pour. Il doit falloir explorer, récupérer des choses comme le Aufklärungsraumfahrzeug, type Penrose, qui est un manuel opérationnel des vaisseaux de classe Penrose. Oui, je parle couramment allemand, vous le savez bien, et je lis des sous-titres comme vous. Le vaisseau de classe Penrose de la marine. Bien. Ça va être moi le réplicant, moi, je présume. C'est ça, c'est. Apparemment, on est en charge dans un vaisseau où tout le monde doit pioncer dans de la. Dans des cocons cryogéniques. Et on doit faire que ça se passe tout bien. Parce qu'on est quelqu'un de bien. No entry. La serrure est effectueuse. Oui, d'allemand, on va en avoir beaucoup. Hein. Cette porte ne peut pas être ouverte. Bien, courir. Ouais. Courir sur le bouton B. Truc. On va mener l'enquête. Hein. Page de journal Sally. Réveillé du sommeil. Je réfléchissais. Esther regardait. Cabine de pute pute pute. L'a perdue dans ses pensées. Et parfois j'ai l'impression c'est loin la maison. Non mais je peux anticiper des choses. C'est mon côté précognitif, vous le savez bien. La couchette de l'officier Gestalt. Bien, donc on est dans sa cabine. Est-ce que j'ai mon petit plan de tout à l'heure? Oh, génial, Y, merci. Donc l'idée, ce serait d'essayer d'ouvrir la porte de gauche, si on est malin, ou passer en haut. Alright. Oh, c'est ça, son sans sas. Qu'est-ce? Un caisson, cryo. Oui, mais là, tu vois, sans rien dire et sans symbole, j'allume, j'éteins et j'y vais. Parce que moi, je suis pas du genre à jouer au truc où il n'y a pas un fondement logique. Hein. Les jeux de hasard, c'est pas mon truc. Je suis pas la française des jeux, moi. J'ai beaucoup de peine quand je vois tous ces addicts qui jouent à ces conneries. C'est très étrange le déplacement au début qu'on n'a pas l'habitude parce qu'on ne sait pas ce qui est en relief réellement. Et alors c'est peut-être un truc de vieux, je sais pas. J'ai beaucoup de peine, hein, je le dis direct. Cryogenics, on dira c'est mort. Je peux aller tout en bas où je n'ai pas exploré. Bien, bah on va y aller. C'est long. Oui, c'est le début, c'est normal que ce soit long au début. On va lui accorder ça quand même. Hop, descend encore. Tu vas apprendre à un petit peu spatialiser dans ce bordel. On a une issue sûrement en bas. La serrure est défectueuse. No entry. Ah, je vais tous les faire comme ça hein, quand j'aurai pas un great success à ma requête. Le poste de pilotage qui permet donc de manger sereinement un repas de fast-food avec les compartiments prévus dans les aquas noirs. Tout le monde le sait. Poupip. Pipoup. Une photographie passée est coincée sur les contrôles du ma. Ramasser, bah oui, tu sais bien. Ce boom qu'il y a eu, j'ai ramassé une photographie. Tu peux te déplacer sur le côté, attention. Tu es souple avec ton cou. Le moniteur d'assistance à l'atterrissage et l'appontage, il est désormais inutilisable. Oui, nous sommes en hyper vitesse. Il est hors de question de déployer un pont à cette vitesse-là. Le panneau de contrôle, bâbord, il y a eu une défaillance critique du système due à un atterrissage en catastrophe. Tant que la planète s'appelle pas LV-24-6, moi je dis, il y a de l'espoir. Oui, no worries, knows. Je vais quand même prendre le manche. Non. Éjecter. Non. Des boutons qui font ping. Mais on l'a déjà lu. Ok.
C'est très 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 lent, c'est étonnant. C'est une cause perdue. Ok, t'es en train de me dire que je fais n'importe quoi pour rien. Hein, c'est ça le fond de ta pensée, bonhomme. Il n'y a même pas un petit paquet de chewing-gum qui serait tombé entre le pédalier et le manche là pour que j'ai quelque chose à mâchouiller. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a cassé ça. Vu la tonche qu'il y a quand même sur l'écran, niveau défaillance électrique, c'est peut-être un peu plus que la défaillance électrique, on va le dire direct. Donc j'ai plus de contrôle à droite. Ce vaisseau est désormais impilotable. Bien. Bon, on va y aller. Hein. Ça ne m'a pas tellement éclairé sur la suite, les amis. Donc on a visité quoi à nous? Le haut, le bas. Et là, j'ai des trucs qui clignotent, gauche, droite. Gauche, c'est ouvert. Alors, ce que je redoute déjà dès le démarrage du jeu, c'est de rater une pièce. J'ai un élévateur. Non, vous savez bien, monsieur le cas ne dit jamais ascenseur. Nous allons donc l'emprunter. Que c'est lent, diable! Constatez que c'est verrouillé puisqu'il me faut une carte. Poupip. Carte de sas nécessaire. Ok, c'est limpide. Monsieur! Carte de sas. Il n'y a personne, c'était juste une combi, zut. Je me fais avoir chaque fois, moi. C'est mon côté blond, ça. Ok. Je pense que souris, clavier, c'est quand même un meilleur combo que le pad. C'est quoi ça? Mais moi, je touche tout, hein, si on peut toucher. Soit, on va revenir en arrière. Pour l'instant, on avance doucement. Il y a peu de choses qui s'ouvrent. J'ai l'impression que c'est le jeu qui choisit mon trajet. Alors ce truc. Ce truc, quoi. Bien, faut que je trouve une carte. Faut que je trouve plein de choses. Où c'est que je vais aller trouver tout ça d'ailleurs? Moi j'ai pas vu grand-chose, hein. Il est là le sous-seuil. Est-ce que je suis allé à gauche? Je m'en souviens même pas. Ah mais non, on s'est pété, madame. Alright. Une carte, ça. Qu'est-ce donc? Fonctionnalité des LSTR, module de réparation logique. D'accord, en fait, sur moi, j'ai un module qui me permet de m'auto-réparer si j'ai des gros soucis. Entrez dans l'écran inventaire. Oh là là, mais pourquoi vous faites pas des trucs ultra simples? Pensez aux vieux. Soit. Après, on sélectionne avec la croix, on appuie sur A. Et combiner pour entrer dans le monde combinaison. Bien. Je pense que je vais pas être copain avec ça. D'accord, en fait, j'ai probablement des parties de moi-même qui vont être esquintées. Je pense que ce sera issu de certains combats. Et que je pourrais soit laisser toncher, soit réparer. Tout dépend de la priorité. Regardez un objet sous toutes ses faces inspectées. On va dire qu'on a pigé. Ça me donne pas ma carte, mon bonhomme. Et ouais. Inspectons Penrose 512. Ah, ça, on aura toujours besoin de Chatterton. Ça, c'est connu. Non, je vais le faire tourner d'abord. Ah oui. Ruban adhésif. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Faudrait que je trouve un hamster pour faire des trucs rigolos. Surtout dans l'espace. Mais de toute façon, c'est crashé, donc il n'y a pas de souci. On a de la gravité. Ah, bah, ça va être tout de suite moins spectaculaire. Ok. Personnel, est-ce que je retourne fouiller? Parce que oui, j'ai besoin de. C'est lent. Alors je le dis sans énervement pour l'instant, puisque c'est lent et que c'est normal qu'un jeu prenne son temps pour recevoir son joueur. Je vais pas avoir d'indice, là j'ai déjà tout eu, oui. Et oh! Une carte. Vous avez ça les gars? Une carte. Non. Je me suis coincé dans le décor. Non, non, faites pas ça. So 90s.
On l'a vu ça. Eh oui. Puis elle veut même pas la prendre. Tu peux pas te fausse filer là? Quelle tristesse. Alors un jeu long. Enfin un jeu lent. Plus moi. Je suis pas certain que ce soit un... On va regarder nos chefs-d'œuvre. Bah ben oui, il m'a dit de retourner les trucs. Ah, regarde, regarde. Reviens! Reviens! Vous vous rappelez le truc que j'ai en bas? Ouais, l'espèce de cube sans indication. Si on fait cette forme, un Y plus une crotte en bas, ça doit être bon. Théoriquement. Bon, on pourrait inspecter le rouleau de scotch, mais je pense pas que ce soit vital tout de suite. Y plus crotte à droite. Allez, on redescend. Il est en bas ce truc, hein, je dis pas de conneries. Oh, j'hésite. Merde, il était pas en bas. Où était ce clavier? Il était en haut, j'étais à côté. Oui, c'est probable. Oh, les instants boulés. Juste comme je les aime. Et vous aussi. Voiture en beauté. Where was the keyboard? In front? Yes, maybe. But where is mom? She's in the kitchen. She's doing the meal, of course. Y avec une queue en bas. Bim. Boum. Bam. Bum. Bam. Great success. Great success. Oh, capitaine, comment allez-vous? Là, il va y avoir un squelette qui va tomber. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de capitaine. Il y a un truc au fond. Deux morceaux d'une clé cassée à l'intérieur d'une capsule cryogénique. Ramasser la clé? Non. Moi j'ai toujours adoré en fait depuis les Resident Evil et c'est pour ça qu'en général toute la série je l'ai pas faite. C'est un jeu qui vous propose un objet à ramasser et qui imagine que vous allez pas le prendre. Je sais pas, c'est une finesse qui est purement japonaise je pense. On va le prendre quand même. Ouais, je sais pas pourquoi. Et on va vite voir dans notre inventaire si on ne peut pas combiner ceci pour en faire quelque chose de bien. Action. Et je viens de réparer une carte magnétique avec ce fameux adhésif dont on ne peut pas se passer. Vous avez bien vu, j'ai fait gaffe de ne pas en mettre sur la piste, sinon ça marche pas. Bien. Ça veut dire qu'on peut ouvrir une porte avec ça. Quelle porte avais-je de verrouiller dans le coin, en bas à gauche? Moi, je dis banco. Alors, les passages de salle, je les trouve déjà pénibles. Hein. Je le dis tout de suite. Hello. Ah, c'était peut-être plus bas. Mais ouais, je pense pas que cette lenteur va jouer vraiment en faveur de ce jeu. J'en suis déjà très inquiet. Ta mère, elle est défectueuse. Et le vide de l'ambiance est pas là pour me rassurer. Je vais pas utiliser là-dessus, c'est pas là que je voulais aller, les gars. Y a pas de lecteur en plus là-dessus. Enfin, il me semble pas en tout cas. Plan. Non, non, j'ai des trucs à gauche. Mais remonte. Laisse-moi me déplacer sur cette map. Je ne peux pas. Ok. Défilement de la carte. Non, ça ne marche pas. Non, mais sans deck. Ah, ça y est, ça marche. Ok, alors j'ai deux portes verrouillées à gauche au-dessus et une porte juste de là à droite. Pourquoi je ne puis pas en déverrouiller une seule? Ça, c'est un secret que... qui est bien conservé, on peut le dire. Bon, peu importe, on va essayer. Trois bouts de couloir et je suis déjà perdu. Ouais. Non, mais je le dis. Je reconnais mes faiblesses. Mess Hall.
c'est des officiers. Ouais, j'ai vu ton truc. Non, non, non. Merci. Là, on n'a rien pour insérer la carte. Elle était où cette porte? Elle était tout en haut, sûrement. Et là, on dit pas merci. Ça, on a déjà joué avec. Il n'y a pas de passage ici. Donc, c'était précédemment à gauche. Mais je vais la foutre dans quoi, votre pute carte? Non, mais les gars. Attends, on refait voir la. Mais reviens. Et fais pas pivoter comme toi tu veux. Comme moi je veux. C'est écrit quoi? C'est une peine rose. Ouais, mais c'est pour quelle porte, mec? C'est pas écrit, ça. Et c'est ça qui m'intéresse présentement, dans l'état présent. Oh, quelle merdasse. Bon, c'est un jeu, il faut avoir l'attention de toutes les secondes, apparemment. Très vide. Oui, y a personne. On m'a total abandonné. Et vous voyez déjà que je joue au boulet. Ça, on l'a déjà lu 10 fois. Je vais quand même pas redescendre, si? Bon. Ah mais moi je suis prêt à toutes les éventualités. Maintenant c'est un cul-de-sac, il n'y a aucune issue, mais ouais. Donc c'est complètement con, je m'en préoccupe. C'est mon cryo, je sais pas quoi, ça. Quoique, j'y retournerai bien, puis voilà, le jeu est plié bien. Merci, au revoir. C'est une porte, ça. La serrure défectueuse. Vous me gonflez, vos serrures défectueuses, les gars, parce que là j'ai une carte dans... et j'ai pas fait gaffe dans quoi je pouvais l'insérer. Alors j'ai bien une petite idée qu'on me sous-entend déjà sur le chat. Arrêtez de taper ça, vous allez activer le robot qui va vous éjecter. Ah oui, c'est dangereux. Donc modérez votre vocabulaire. Et je la mettrai pas là, cette carte, de toute manière, si j'étais vous. Non, ça peut que mal finir. Pourquoi ça ne s'ouvre pas à gauche? Parce que ça veut pas, ok. Pourquoi ça ne s'ouvre pas au-dessus? Pour la même raison, bonhomme. Mais je fais quoi avec ma carte? On arrête dans le chat. Je ne ferai pas ça. Vous pouvez insister tant que vous voulez. C'est pas là qu'elle va, cette carte. Elle va dans une porte. Déjà, j'ai donné un gros indice. Ou un ordinateur. Défaillance critique, système détecté. Qu'un signal. Porter une tenue en extérieur. Bien. Ça va, je sais lire. Merci. Non, mais merci. Ça va. Donc ça, c'était la version pour nos amis coréens. Je peux taper des trucs. Pipou, pipou, pipou. Non, 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 je retire. Alright, alors les objets à détecter dans le mode décor sur lesquels on peut interagir au démarrage, c'est un peu dru les gars, on sait pas trop, donc il y a moyen que le grand monsieur K, c'est moi, passe à côté de nombreux éléments vitaux qu'il fut utile d'ouvrir, de récupérer, d'actionner, je ne sais pas quoi. Biboup, boubip. Ah bah cette fois ça marche, et c'était pour ici cette fucking carte. Ah, fait du bien. Il faut tout le temps quelqu'un à étrangler hein, quand on joue à quelque chose. Pour les moments où ça se passera mal. Là, il va me demander des infos que je n'ai pas. Yes. Poupip. Je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, je suis là pour un tennis, connard. Salut à toi, Jean-Marie. Mon dieu, on va récupérer une combinaison. Et regardez, elle me va du premier coup. Elle me fait un petit cul moulant, comme tout le monde aime dans l'espace.
Oui, c'est important d'avoir un petit cube bien moulé dans l'espace puisque les mâles sont chargés à bloc. Et ainsi démarre le jeu. C'est vraiment à moi les gars là. Non mais sans déconner. Mais vous voulez que je fasse quoi? Alors j'ai mon curseur sur l'écran mais je sais pas trop sur quoi j'avance. En plus c'est passé en version vue à la première personne. Je suis un peu troublé. Étrange. Ces questions dont on a la réponse en évidence, c'est gênant. J'aime beaucoup la mise en scène par contre. C'est vraiment sympa, les mélanges de langage, la symbolique cyber, bien oxydée et pété du tuyau. Les ordinateurs qui font des bruits mécaniques, ça c'était la symbolique du tout premier Alien aussi, la première fois qu'on pénétrait dans le cockpit. Dans le cockpit du Nostromo, il y avait cette ambiance électronique en arrière-plan qui était fabuleuse et qui posait tout. Oh, on n'a même pas besoin de RTX pour avoir des miroirs qui fonctionnent. Génial.
C'est les chiottes. Vous savez ce qui se passe avec TBG quand il y a des chiottes dans les jeux? Bah oui, on les essaye. Tous. Ouais, mais dans celle qui est pétée, tu vas trouver une carte qui te fera passer de partout. Ou un code absolu. Bien, bien, bien. On y va, on s'est même pas lavé les mains. Tralali, tralala. Les mouches de l'espace, c'est rigolo ça. Faudrait faire un bouquin, les mouches de l'espace. Eh oh! Ouais, d'accord. L'ascenseur d'accès à la surface, je ne vois pas l'intérêt d'y retourner. On est bien d'accord pour une fois. J'ai une map. Ouais! Donc ça, c'est l'ascenseur. Maintenant, il me reste à explorer les différents endroits. C'est verrouillé. Allons donc à la réception, les amis. Je cours moyennement vite, hein, quand même. La serrure défectueuse. Il y a peut-être un truc que j'ai pas vu là. Il y a une carte magnétique. Très bien. Alors, on va essayer de mettre le turbo parce que c'est vraiment désespérément mou, c'est dommage. Faut pas se laisser faire par la rythmique du jeu, faut vraiment sans arrêt appuyer sur le bouton pour cavaler. Bien. Petite question, attention, qui a retenu le code qui était dicté pendant l'intro? Vous non plus. Ah, il y a une caméra qui fonctionne au moins. Ça, c'est... comme dans The Big Bang Theory. Cet ascenseur ne marchera jamais. Même si c'est juste une piole. Go. Unité E, là, c'est quoi? Des composants affectés. On nous en dira plus tard. T'as pas une carte, toi? Parce qu'elle fonctionnait plus. Document. Pas document. Une visionneuse de microfiche à trous. Si j'avais une microfiche à trous, je pourrais voir son contenu. Bien. On va trouver une microfiche à trous. Ouais, mais tu pourrais les prendre si tu croises un humain et qu'il a besoin, quoi. Je sais pas. C'est quoi ces jeux où on pense qu'à ses fesses sans arrêt? Les gars, on va pas s'en sortir si vous éduquez pas le jeune public. Non, on va être dans la merde jusqu'au bout. Il y aura que des rats. Il n'y a pas d'autre issue apparemment. Non. Donc faut que je trouve des microfiches, moi. C'est pas gagné. Par chance, cette serrure est défectueuse. Par chance, celle-ci aussi. Alors on peut ne pas aimer ce côté old school, mais au contraire, je pense que ça fera beaucoup de fans. Et c'est exactement ce que je vous avais décrit, ce jeu, c'est un Resident Evil vu de dessus. Ah, ça c'est des points de sauvegarde, il va falloir que j'enregistre comment ils sont foutus. Ça aussi c'est old school. Qui c'est qui me prête une cartouche mémoire? Bah non. Les trucs que j'ai mis en surligné, en fait, c'était l'autre côté. On l'a refait, pouf pouf. En fait, le problème, c'est que dans l'interface, le A, qui sert à valider en Europe, je pense qu'il est passé sur le B, qui sert à valider au Japon. Est-ce que j'ai raison? Non, ça va. C'est juste qu'on s'est mal compris avec cette interface. Mais c'était bien drôle, en tout cas. Was ist das? Formulaire de requête de service F29. Réplique F-Service, idée protectée. Coffre-fort mural. Localisation de l'objet. Oh là là, il va me perdre dans les dédales, je sens. Sans arrêt, combinaison par défaut. Quel intérêt d'utiliser le...
Donc faut que je trouve un manuel de code, moi. Parce qu'il y a un coffre, il y a un truc dedans. Il y a un code par défaut. Faut qu'on soit potes. Oh, regardez ce joli poster de Floppy. Attention, n'utilisez plus les floppies. C'est interdit. Ne négligez aucun protocole, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas consigné, ça n'est jamais arrivé. Bien. Ah ouais, je vois qu'on a affaire de bons petits fonctionnaires. Allez, go. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, encore une piole. Ça y est, je suis perdu. Vous moquez pas de la mémoire de poisson bleu de Monsieur K. Je regarde encore une fois ce poster parce qu'il est trop beau. Quoi qu'il est interdit. Il est interdit de courir dans les couloirs. Oh, oui, Monsieur K connaît verboten comme mot. Mais le reste pour lui reste demeure inconnu. Il est interdit de courir dans les couloirs. Soyez attentif à vos voisins. Tout le monde peut vous entendre courir. Là, indirectement, le jeu vous donne peut-être un indice. Genre, si vous voulez vous la jouer discret. Évitez effectivement de cavaler dans un couloir. Mais moi je vais le faire parce que je suis l'héroïne et je fais ce que je veux. Il n'y a pas des trucs là, des cartes de Pokémon, je sais pas, trouvez-moi un truc à faire. Le poster là, c'est l'homme de l'année. C'est quoi la combinaison par défaut? Attendez. Bah, moi j'en ai une. Me dites pas que ça se tentait pas. Bon, on sait où est le coffre. Va falloir mémoriser. Dommage que ça apparaisse pas. Si, il apparaît sur la carte. Merci. Merci les devs. Je vous aime. Non, mais vraiment. Never forget. Alors, ma hantise, hein, je le dis déjà, c'est de passer à côté d'éléments cliquables que je vais pas remarquer. Je redoute ça, mais. Pas comme le Covid, mais comme un truc plus impressionnant quand même. Ah, what's happening? Unité Elster, vous devriez quitter cet endroit. Cette installation est perdue. Faites demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Je recherche cette femme. L'avez-vous vue? Je ne la connais pas, mais elle fait peut-être partie des ouvriers. Tous les ouvriers de Gestalt des manufactures ont été envoyés à la mine sous l'installation. Si elle est encore en vie, elle est probablement là-bas. Alors c'est rigolo parce que moi ces gros lettrages asiatiques, ça me rappelle un shmup dont j'ai pas le nom là tout de suite, mais ou pareil, il y a les annonces de boss avec des gros symboles comme ça qui vous griffent les trois quarts de l'écran. Il y a un ascenseur d'accès au puits de mine au niveau en dessous. Mais il vous faudra une clé. Qui est dans le coffre, hein, laisse-moi deviner. Tant qu'à y être, on y est. Je peux aller partout. Bien, allons partout. Faut pas courir. Ouais, non, mais ouais. Je vais regretter le life une clé. Je vais regretter Putain, fallait le voir ça. Je mets pas sur ce coup-là. Je vous avais dit que je pouvais passer à côté de ta truc. Oui. Non. Je me casse. Fallait que je la fasse. C'est un achievement, ça. Ok, clé de protecteur, merci. C'est pour ici, la clé de protecteur, ou bien? Ok, c'est pas ce que j'ai. T'as ton langage et mon langage, moi aussi, t'inquiète. La serrure est. Bah oui, mais je m'attendais pas à pire ou à mieux. J'y vais, tu m'en veux pas? Allez, ciao. Mon plan. C'est que oui, il faut que j'explore. Il faut que j'explore vers le bas là. Il y a encore une issue que j'ai pas explorée. Donc c'est droit devant moi, banzaï. Wouhou! Longue et lente mise en place. Oui, je suis d'accord, mais c'est ce qu'il faut. La serrure défectueuse. Right, à gauche. Et il y a d'autres endroits que je n'ai pas explorés. Ce coffre. Je peux pas l'ouvrir avec la carte. Il est où le coffre d'ailleurs? Je me rappelle déjà plus où est le coffre. C'était pas ça. Non, c'était pas ça. Il y a une note là. Je suis passé à côté. Note de service. Coffre fort, muraux. Code.
Ouais, mais y a pas de code, mec. C'est bien foutu de moi. Corridor librairie, il faut le truc de microfilm viewer, mais je ne l'ai pas. Et en dessous, il y a une porte jaune, on va peut-être aller jeter un œil. Curieux, je me rappelle plus à quoi ça correspond. En plus, il y a changement de niveau. Ah oui, je sens qu'il va tout faire pour me paumer ce jeu, ça va être grave. Et je pense qu'il aura aucune peine à réussir. Ça, c'était avec la carte. Yes. Bien. On va se faire un petit caf. Il y a une cafetière. Profitez. C'est quoi sur le côté? C'est une caméra. Alors je suis mitigé pour l'instant vu qu'on est en mode découverte et que on constate que le jeu n'est pas n'est pas d'une vivacité qui semble être sa préoccupation principale. Donc les gens qui venaient dans un jeu d'action, je pense que déjà là ils ont compris. Non? Mais tant que tu me poseras des questions cons, je répondrai connement. Voilà. Oh, un pistolet! L'autre truc, c'est qu'on y retrouve par contre une ambiance qui est vraiment chouette. Moi, j'aime bien. C'est quoi? On ramasse tout. Hein. Oui! Ça, on va s'en servir vite. Et le manuel du pistolet, c'est important. Ah bah oui. Le pistolet type 75 est un pistolet semi-automatique à recul court et culasse verrouillée, chambré en 10-20 mm. Cette arme à feu fiable et polyvalente est l'arme de poing standard du personnel contrôleur protecteur d'Ion. Utilisateur réplica, n'oubliez pas avant toute chose de vous équiper du. C'est le syndrome résidente. Faut s'équiper. Si tu t'équipes pas et que t'as un lâcher de monstre, bah tu leur craches à la gueule. Ok, left trigger. Pour désengager la sécurité et entrer dans le mode. Ouais, d'accord, c'est pour pointer. Voilà, les gâchettes, ok. Pour tirer. Ou avec le A. Bien. Right button, initie un rechargement. Oui, il faudrait y penser. Mais il y a combien de chambres dans ce flingue d'ailleurs? Ne gâchez pas les munitions car. Bah oui, c'est comme Raez. Je vais garder la référence tout le long. Hein. Je m'en voulais pas, mais ça me semble évident. Quand une cible est à terre, essayez plutôt de l'achever avec des coups de pied ou de bâton à la tête afin de préserver les munitions. Comme dans Dead Space. Cool. Bien. On va laisser le manuel ou quelqu'un d'autre en veut. Il y a beaucoup de miroirs ici. Bien. On va aller à la microfiche. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire à la microfiche? Tout le monde s'en fout. Ah, ah, putain, tu m'as fait peur, toi. Non, attends, j'ai pas les touches. J'ai pas les touches. Non, 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 non. Attends, faut que je m'équipe. Non, faut que je m'équipe avec l'autre. Je me suis fait surprendre, je vous l'avais dit. Donc, j'avais le choix, soit fuir, soit lui cracher à la gueule. Je suis quand même correct, je lui ai pas craché à la gueule, j'ai pris le temps de rentrer dans ce menu. L'action est freeze, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, elle va repartir dès qu'on sera sorti. Sélectionner objet, bah oui, je veux ça. Est-ce qu'il est plein ce truc? Non, je vais le regarder, regarde. Oh, il est beau, il est beau, il est beau. C'est pas un lavabo. Ouais, d'accord, je voulais le vider de toute façon, moi. Alright, est-ce qu'il y a une autre action à faire avant que ça parte en... Non? Bon, on va dire que ça va bien se passer. Allez, on y croit. Mais crève! Comment je l'achève? Comment je t'achève, toi? Bouge pas. Te relève pas, par contre. Putain de merde! T'écoutes rien! Alors les bruitages, comme ils ont collé ça, ça fait très PS2. Je veux pas être méchant, c'était pas l'objectif. Mais recharger, par exemple. Quoi que tu me diras, je peux peut-être pas recharger. Il me reste 4 balles. Ouais, bah je peux pas recharger, j'ai pas d'autre chargeur. Patate. En tout cas, il y a une touche mystère. C'est celle pour latter les gars quand ils sont au sol. Faudrait que je m'en inquiète tout de suite.
Je vais en avoir besoin. Je vais trouver ça où les amanches? Là? Ouais. Régler la radio, ça n'est pas d'actu. Viser, tirer à l'arme, recharger, carte courir. Utiliser outil left button. Et après, t'es l'arme. C'est peut-être le left button, allez savoir. Je sais pas. Bien. Ça va bien se passer, les gars. Je pouvais rien récupérer sur le cadavre. Mais c'est triste, ça. Oh, bonjour. Salut. Il est joli ton couteau. Vous n'avez rien à faire là non plus, vous, c'est ça. Je m'appelle Isa, Isa et tout. Vous devriez faire attention, il y a quelque chose qui cloche dans cet endroit. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est probablement dangereux de continuer. Ça va, je comprends. Il y a quelque chose que je dois faire moi aussi. Prenez soin de vous. J'espère que vous trouvez celle que vous cherchez. Je lui ai même pas fait voir la photo. Et elle part comme une warrior. Ok. C'est Snakehead, on va l'appeler. Ah bah c'est la femme de Snake, ça. Ma visionneuse est ici. On va s'en servir illico. Non, je suis venu pour faire un ping-pong, connard. Mais sérieux, les mecs, arrêtez avec ces trucs-là. C'est insupportable. Moi, les Resident Evil, j'ai arrêté à cause de ces questions idiotes, quoi. Les allers-retours gratuits et les questions idiotes. J'ai fait, non, c'est too much. Ficheuse à trous. Oula, c'est quoi ces trucs? Coffre mural, hein, haute sécurité numérique. Un coffre-fort mural est certifié conforme aux réglementations. Bien. Entrez le code. Appuyez sur la touche de confirmation. Faites tourner le cadran à gauche. Oh, oh, les mecs. Papier, stylo, c'est parti. Ah bah non, mais il n'y a pas de secret là. À la limite, j'esquisse un petit sourire parce que ça fait, je sais pas combien d'années que j'ai pas noté des indices d'un jeu vidéo avec un petit stylo et un papier comme tout le monde. 20, 45, 12. Vu la vitesse du jeu, mieux vaut que je prenne cette précaution parce que j'ai pas envie de revenir chercher ce chiffre. Appuyez sur la touche de confirmation et maintenez-la pendant 10 secondes. Le temps qu'il y ait un lâcher de monstre, tu veux dire? Ah, j'anticipe le pire. Non, pas tant que ça, mais quand même. Si tu trouves cette note, malgré tout ce qui s'est passé, je suis venu te chercher. Elle aussi, elle recherche quelqu'un, ok. C'est la miss qu'on a rencontrée précédemment. Elle cherche quelqu'un qui s'appelle Erika. Ok. Bon, j'espère que je vais pas encore avoir des surprises. J'aime pas trop les surprises. Bouge pas, toi. Mon coffre, il est à droite, je crois. Zut. Corridor, il est tout en bas, à droite. Je suis mitigé et contrarié, là, déjà. Parce que ce jeu a tout pour plaire et on avance assez inquiet, donc la rythmique un peu lente correspond. Mais le problème c'est que on avance très lentement du coup. Et sur le global, je me demande ce que ça va donner. Mythe ou légende, est-ce que le code 204512 ouvre? Tous les coffres. Oui, tous, sauf ceux qui ont été modifiés. 20, 45, 12. Quoi, j'ai mal lu le manuel? Non, foutez-vous pas de ma gueule quand même, les gars. La petite lumière là, bibi, pou, pou, pip, pou, pou, poup. Non. Rouge, ok. On va la refaire, j'ai du mal faire. 20, 45, 12. Et on fait entrer. Ça
Ça, c'est bien. Et là, 10 secondes. Oh, il me compte pas les 10 secondes, ça c'est sympa aussi. Et sous nos yeux ébahis se révèle. Se révèle. Se révèle. Je vais rentrer dans le coffre et y habiter jusqu'à la fin de mes jours. Le fameux Klassenzimmer. Oui. Qui est une clé que je ne vais pas prendre donc. Clé de la salle de classe. Ok, on se rappelle où elle est, ça va. Pour l'instant, on est cohérent et on suit le fil d'Ariane qui nous est transmis. Alors, pour me défendre, il me reste 4 balles. Ça veut dire que si je rencontre des hostiles, je tire 4 fois très bien. Et après, il faut que je prépare des gros crachats pour les engluer parce que j'aurai plus que ça. Bien. Suis-je rassuré? Non. Mais alors, non. Non, 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 non. Veriste zer classroom. C'était à l'autre étage, il me semble. Attends. Bouge. Microfilm, machin, observation, surface, bathroom. Changer de niveau. Quoi? Je peux pas changer de niveau? Ah, pourtant je le fais. Hein. Mais non, ça veut pas. Ok, ça veut dire que ma classroom, elle doit être dans le coin? Non. Elle est pas ici. Hein. Enfin, moi je veux bien y croire, mais il n'y a pas de classroom, les gars. Faudrait que je ressorte. On va aller faire un petit tour en haut, c'est jaune, ça a l'air sympa. Ça appelle. Une petite rencontre? Non, je suis pas pour. Mais vraiment. Le cadavre a été déménagé. Rustine de réparation, oui. Une rustine de réparation qui va donc me permettre de note 10. Merde, pardon. On va y arriver, on va y arriver. Il est interdit de courir. Ça, c'est toutes les notes que j'ai ramassées, ok. Consigner tout. Ça, c'est les recommandations. Un coffre mural. Ok, et à droite, c'est quoi? Diagnostic, ça doit être mon état. Alors, il y a peut-être un moment où je pourrais me buffer, on verra. Oui, s'il y a des modules, c'est qu'on doit pouvoir se buffer. Alright, on va essayer cette carte. Tiens, il y a un truc là. Oh, j'ai tellement peur de passer après à côté de beaucoup d'objets comme ça. C'est ma hantise vraiment du jeu. Faut que je me rappelle que il faut recharger donc pendant l'action, ça risque d'être sport. Je sais pas quelle touche c'est. Non, je suis là pour faire un badminton tête de. Un trou. Bien. Ça donne envie. Un petit cadeau pour mamie? Non, tu vas dans le trou. Oui, c'est ce qu'on a vu. Je peux descendre sans danger. Bien sûr. Sans danger, c'est son deuxième prénom, je pense. Ça a l'air sympa chez vous. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Je crois que les robots sont partis en sucette, donc on va s'en méfier un peu. J'ai une carte. Ouais, mais elle n'en dit pas des masses. Hein. Tu veux redescendre, t'es sûr? C'est bouché. Accès niqué. Pareil. J'aurais rigolé si on m'avait demandé un code. Ça va les gens? Mais les gens, qu'est-ce qui se passe? Il faut pas rester là, monsieur. Bah non. Ça, c'est verrouillé. Bah. Non! Oh miracle! Il m'a laissé passer beaucoup trop facilement. Vite ma map, j'ai pas confiance. Oh là là, il y a beaucoup de trucs à visiter, ça sent le. Pas bien. Ça sent pas bien quand même. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Qu'est-ce? Va me falloir des explications, les gars. J'ai un peu de mal à percevoir ce qu'est cet objet. Ah, c'était juste une caméra. Ok, Damned, un uniforme d'ouvrier. Il a l'air vieux et usé. Et tu ne peux pas le prendre. Bon, bah, tout est dit. Il y en a un autre là-haut, mais on va pas inspecter tous les uniformes. On n'est pas là pour le.
pour le défilé. Alors pour l'instant, c'est Over the Calm. Il y a une note là. Journal. Les protecteurs sont équipés, ces temps-ci ils cachent quelque chose, ils sont moins nombreux. Mais le plan de rationnement change constamment. Alina a dit que je me fais. Mais je peux ressentir leur peur comme si j'étais à leur place. De quoi ont-ils peur? Bah, apparemment, il y a des contaminations sur des robots. Des robots qui sont bien esquentés, comme on dit dans le midi. Et qui se rebelleraient contre les autres êtres encore en vie, oui. Requête 29. Porte de sécurité. La clé de réinitialisation électronique est introuvable. J'ai préparé un kit de crochetage. Ouh, pas pour monsieur qui a ça. Alors s'il y a Chaos qui regarde, il va se marrer. Parce que lui, c'est son trip. Moi, non. C'est ma némésis. Crocheter, c'est vrai. Crocheter. Faudra juste procéder par essai erreur. Merci les indications. Ok, en tout cas, on va avoir un kit de crochetage. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On ne l'a pas encore, mais on peut déjà regarder comment ça se présente. Non, même pas. Clé trappe de service. Ok. La vie trouvera un chemin, les gars. La vie trouvera un chemin, croyez-moi. Inéluctablement. Un truc qui est plutôt réussi, c'est... On l'a déjà vu, ça. Ouais. La façon dont le jeu vous disperse entre l'ambiance et... un petit peu d'action qui sera bienvenue. On l'a déjà lu, ça aussi. Non. Rouler de coups de pied quand ils sont à terre. Je sais pas faire, madame. J'ai pas la touche. J'ai pas la touche, madame. On va faire comment? Il y en a un qui me ramène? Non, mais vraiment. Ah, je suis coincé, là. Hop. Effectivement. Effectivement. Rouler de coups de pied. Mais j'ai pas trouvé la touche, alors faudrait que je... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, je viens de trouver comment on recharge. C'est le clic sur le stick gauche. Ça fait toujours pas de coups de pied, cochonnerie. Ça, c'est la map. C'est peut-être le A, on verra. Viens voir le cadavre. Non. Alors, recharger, c'est le clic gauche. Bien, ça c'était la bonne nouvelle. Ça c'est closed, de chez closed. La map, elle dit quoi? Elle dit descend en bas, explore à droite. Moi je dis banco. Ça s'ouvre depuis l'autre côté. Ok, bah ça règle le problème à la source. Et donc à gauche, on n'a pas exploré. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas croisé de gens, je trouve. Qui c'est qui y va en premier là-dedans? C'est tout noir, moi j'y vais pas. Ah non, mais je le dis de suite. De toute façon, c'est rouge, il va me dire qu'on peut pas. Écho. Ouais, c'est bien ça. Celui-là, il faut un code. Au moins, quoi. Que... Ah non, éloigne-toi. On est au deuxième étage. Au moins, j'ai cette info. Y a rien dans ton truc, t'es sûr? Putain, c'est fonctionnel. J'ai pas le temps de visiter la piole à gauche. Non, 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 laisse-moi ressortir. Non, mais j'ai vraiment changé d'avis. Je déconne pas. Coincé dans l'ascenseur. Depuis trop longtemps, non, non, non. C'est quoi ce panneau de commande? Je veux juste ouvrir les portes, les mecs. Non, je veux pas ça. Bah oui, c'est verrouillé. Et il faut une carte d'identification en plus. Donc, pourquoi me proposes-tu? Alors, oui, il y a une petite clé, là. Clé de trappe de service. Elle tombe bien. Ramasser, oui, non. Non, 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 comme d'hab. B pour revenir en arrière. B pour sortir de l'ascenseur. Ah, voilà, comme ça. Un peu lourde l'interface, mais ça fait le côté vintage du jeu. Qui rappelle tant cette époque PS2. It's very odd. Yes, but... C'est écrit quoi? Clé de l'ouest nécessaire. Oui, mais on sait qu'on a...
Une trappe qu'on peut désormais ouvrir, donc c'est bon. On va vite remonter là, en espérant pas trop croiser de monde, hein. Mais vu le calme ambiant, pourquoi ça se passerait mal? J'ai pas essayé toutes les portes sur les côtés, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Salut. Non, je suis là pour bouffer une petite salade avec de l'huile de noix. Quel soupir, j'ai rien entendu. Oh putain. C'est quoi cette usine? Dites-moi pas. Un vore hydraulique. Yara, yara, yara. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Oh là 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 là. Le mode d'emploi, les gars. Le mode d'emploi, je veux, moi. Boop. Bip. Boop, boop, boop. Alors ça, c'est le passage où j'ai pas vu Médoc y rejouer. Et je pense que je vais regretter. Ah, regardez en haut ce que ça fait. En fait, en haut, il y a une grosse clé. Voilà, ça y est, il faut comprendre comme ça, on va y arriver. Il y a une grosse clé là-haut. Et je peux moduler ce qui est dentelé. Donc la radio doit être en train de m'indiquer. Voilà, c'est ça. La serrure réelle que je veux crocheter. Et moi, j'ai juste à me débrouiller à mettre ça au bon niveau. Vous voyez? Voilà, tout s'éclaircit. Bon, on n'avait pas besoin de mode d'emploi, ça c'est la bonne nouvelle. La dernière, elle est tout en bas? Non, pas vraiment. Elle est en bas. On va voir ce que ça donne à fond. Ouais. D'accord, c'est spé, hein. Celle-là, elle est un cran au-dessus. Celle-là, elle est deux crans au-dessus même. On va dire que celle-là, elle tape pas au fond. Hein. Oui, comme avec le... Oh, c'est dégoûtant, faites pas ça. Ça, c'est correct. Ouais, c'est correct. It's correct. And the first is good. Un peu plus bas. Bon, ça se tente. J'aurais été pas épaté que ça marche du premier coup. En tout cas, elle a une bonne forme, elle va bien. C'est juste une question de hauteur qu'il faut que j'adapte. Alors. La 1 et la 3 sont alignées. C'est la dernière qui m'emmerde, je pense. Pas loin. Là. Faut que je compense celle-là aussi. Je crois que celle-là aussi. Donc ça veut dire que la première est pas si haute. On va essayer. Ça, faut que ça remonte. Et ça aussi, du coup. Non, faut que ça redescende. Bizarre. Peut-être. Bon, maintenant c'est celle de la seconde qui remonte d'un. Hop. Et celle-là de deux. Alors c'est rigolo, faut pas se fier à cette forme-là. Faut vraiment regarder sur l'écran. C'est pas loin, bonhomme. J'ai pas fait gaffe, c'est qu'elle était trop basse. D'accord. T'es pas loin, madame. Quoi? Alors, est-ce que vous croyez que... Il y a un alignement parfait que j'ai pas respecté, ça doit être ça. Ouais. Les mecs! Me faites pas ça! La prums? Oh là là! C'est tatillon, hein.
Oh la Puercari, cette énigme ne m'a pas vraiment extasié, je le dis directement. Alors, nous avons plein d'issues. On va faire dans l'ordre, tranquillou. It's closed. Ok. It's pas closed. Yes, but was it a good idea? Oh, I don't know my dear. Regardez, un truc qui te tend les palmes là. Une bevatte avec une clé carrée. C'est ce que je viens de dire. Et toi, t'arrêtes de klaxonner quand je stream. Prends la boîte quand même, non? Tu veux pas la prendre? On est vraiment dans un vieux jeu rétro. C'est très rigolo. Ce titre sorti du léchage technique sur l'affichage. Vous dites à quelqu'un, tenez, c'est un vieux jeu auquel je jouais il y a 15 ans, il y croit. Hein, c'est fonctionnel. Alors, je peux stocker. Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Hein. Ça veut dire que j'ai un inventaire qui va être très très limité. Puisque cette photo, elle ne me sert à rien, par exemple. J'ai que des trucs bien. Hein. Ça sert. Hein. C'est quoi? Non. On n'a rien à stocker, mais on saura qu'on a un coffre. C'est la bonne nouvelle, on est content. Yippee-kay. Rustine de réparation, yes, toujours. On n'a toujours pas regardé comment ça s'utilisait vraiment, mais c'est pas problème. Et là, on a une sauvegarde qu'on va vite prendre. Bien, bien, bien. Très, très long, hein, cette mise en place, mais alors, on va dire que c'est un mal nécessaire. On n'appréciera que mieux ce qui va nous arriver après, je pense. Des notes. Code des phosphores. Code fin. On a déjà lu ce genre de notes. Ah oui. Qu'est-ce que quoi? Oui. Oh, le manuel, c'est gentil. Appareil à électro-impulsion. D'accord, c'est une matraque électrique. Non létale. C'est dommage, ça. Peut être équipé à l'emplacement d'outils dans l'inventaire. Une fois équipé, il s'affiche en bas à gauche de l'écran. On peut s'en servir en bougeant. Des arcs jusqu'aux individus. D'accord, ça peut se répandre. Si je me fais attaquer par une meute, c'est idéal pour la retarder. À utiliser avec précaution, ne pas déployer sur les personnes âgées, les femmes enceintes, gens souffrant de maladies cardiaques. Sauf si absolument nécessaire. Recycler correctement l'étourdisseur après utilisation. Bien, chef. Il y a un truc au mur, je crois. Un coffre. Vite, vite, le code universel. 20, 45, 12. Il a été customisé celui-là. Bon, I will be back, bonhomme. Je suis sûr que je vais tomber sur des notes. Regardez là-bas, elle me tend les bras. Non, c'est une clé. Bien. Il y a beaucoup de fouilles à faire. Hein. C'est plus riche qu'un Res Evil, justement, je trouve. Contrebande trouvée dans son armoire de vestiaire. Utilisation illégale d'une radio. Il y a des endroits, mieux vaut pas y pénétrer apparemment. Tu bouges, merci. Je pense que les habitudes vont venir progressivement et j'avancerai plus vite dans le jeu, mais pour l'instant, ça souffre de lutte. Puis l'autre côté, ok, donc j'ai aucune issue accessible ici. Je visite où? En dessous? Ouais, on va redescendre. J'ai plus vraiment d'objectif en tête.
Ah, et la matraque, j'ai oublié. Oui. Non. Oui. On peut s'en équiper. Ça va aller où? Attends, reviens. Équiper. On va l'essayer. Hein. D'accord, en fait, c'est le petit truc qui est en dessous du flingue. Donc là, je suis ready, en théorie. Il me reste 10 balles de flingue, 8 balles de flingue. Ok, on va dire que ça va bien se passer, on y croit. Comment ça, j'ai pas pris mon air le plus rassuré? Mais si, regardez. Je suis là. Écoutez, c'est pas autre chose. Non, c'est pas autre chose. Okay. Je peux pas traverser bêtement. Ça, c'est la même note que tout à l'heure. J'ai pas la touche pour les coups de pied, je t'ai déjà dit. Ok, d'ici, on ne fera pas grand-chose. Bien, ça s'ouvre de l'autre côté, ça me dit en haut. Et sur la map, j'ai possibilité d'aller où? Jaune, c'est à ouvrir, hein. C'est pas ouvrable. Je suis ennuyé. Je sais pas trop du coup l'objectif que je dois me prendre. First aid, safe. Butterfly box, je me rappelle déjà plus ce que c'est. Ah oui, c'était la boîte à ouvrir, mais il faut un outil qu'on n'a pas trouvé encore. Est-ce que dans l'inventaire, j'aurais par hasard. Inventaire, ça marche quand ça veut. Non, ça ne marche pas en fait. Enfin, pas encore, on est en mode bougeage. Voilà. Est-ce que j'aurai cet outil que j'aurai par inadvertance pioché? Non, il ne me semble pas. Je crois pas que ça serve à ça. Bon, on va se balader un peu, on va voir ce qui se passe. Je ferai peut-être une pause puisque c'est tard et j'ai d'autres choses planifiées. Ça s'ouvre de l'autre côté, m'avait-il dit, hein, c'est ça. Là, j'ai pas trouvé l'objet pour la boîte. First aid, j'ai ce truc là-haut. C'est ma sauvegarde en fait, tout bêtement, d'accord. Et dans ce coffre, il n'y avait aucun miracle, vu que c'est à stocker qu'il sert. Et qu'on le retrouvera pendant tout le jeu à côté des sauvegardes. Bien! On est cohérent, je vais essayer de me rentrer tout seul dans le crâne, hein, rapide. Ce qui avec moi est loin d'être évident. Je réessaye cette histoire de code parce que ça m'a perturbé, on m'a donné un code universel et il fonctionne pas à 20, 45, 12. Ah, il fonctionne vraiment pas, hein. Squeak, squeak. Bon, il est pas si universel que ça alors. Soit. Objet, objet, objet. Qu'est-ce que j'aurais zappé comme objet? Non, on s'en fout. Ce beau poster. Les super armes de notre grande nation dans le combat contre l'Empire. Des unités folk. Bon, là je suis tout coincé. Ok. Il n'y a plus rien à négocier. Une boîte à ouvrir. Point. Par là-bas, il y avait un coffre, c'est ça. Bon, elevator control. Et. J'ai pas fait les pioles du bas, il me semble. On va avoir la réponse assez vite. Hein. Dégagez, bande de nazes, dégagez. Je vous déteste. C'est comment le l'autre? L'autre? Ah, moi je vais y aller sur la mitraille. Hein. C'est quoi l'autre touche? Bon, j'ai pas les coups de pied. J'ai pas les coups de pied. Ah mais je peux pas les flinguer comme quand ça gesticule au sol ces trucs.
Mais crève pour de bon, s'il te plaît, cette fois. Vous me coûtez cher en balles, les gars. 4 à chaque fois minimum, c'est cher payé. J'ai un kit de réparation sur moi, il me semble. Non? Oui. Pitette. Rustine de réparation. Le souci étant que je vois pas mon statut vraiment clairement. J'en ai deux, je peux en prendre. Est-ce que je suis salement tonché? C'est ça le problème. C'est pas évident, je le vois pas. Je pense que le visage aurait basculé au rouge si elle était vraiment dans un état de crise, on va dire. C'est très Resident, c'est terrible. Cours, chérie, cours. It's closed! Oui, mais ils vont venir droite sur toi, t'inquiète. Regarde. Oh, le rechargement. Ah, ça, c'est le mauvais bruit, ça. C'est le bruit que je rêvais pas d'entendre. On y va, là. On descend. Il va y en avoir d'autres de créatures, je pense. Non, c'est bon. Petit tour dans les... dans l'inventaire. Ah oui, c'est passé au jaune. Jaune, c'est pas terrible, terrible. Est-ce qu'on se met un coup de Reaper Patch? Pour le fun, on va voir. C'est pas encore rouge. On va attendre que ça bascule au rouge. Sachant que j'ai plus de... J'ai un problème ici, c'est... M'équiper de mon arme. À gauche, là. Ça, là. Pourquoi je peux pas m'en servir? Où sont mes notes? C'était dans un autre truc. Faudrait que je les retrouve, ce serait bien. Parce que je vais relire les notes sur le... Merde. Sur... Elle est pas pratique au début l'interface, hein, qu'on n'a pas l'habitude. Sur le truc qui stun. C'est quoi ça? Ouais, c'est pas ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était... journal, ok, journal, note, ça. J'ai mal lu. Il peut être équipé dans l'emplacement, ça c'est check. Tout en se déplaçant, appuyez sur left button. En face de l'ennemi uniquement. Ça doit être ça. Ok, on essaiera la prochaine fois. Donc c'est les gâchettes de gauche. Prochaine fois qu'on espère pas très rapide. Ah mais y a rien là. Mais c'est par où je suis arrivé non? Je commence déjà à me mélanger les pinceaux. C'est l'heure d'aller s'occuper du repas, moi je vous le dis. Je vais avoir du monde à la sortie là. Ouais. On tirera à gauche. Vous inquiétez pas pour moi, je passe, c'est tout. Ils vont quand même pas me suivre, ils sont pas comme ça. Non. Là, it's fragged up, ok. Là, je vais pouvoir prendre l'ascenseur, peut-être. Mais pour aller où? Ça, c'est une question sur laquelle J'ai pas la carte. Ok, on va faire une pause ici. De toute façon, il va falloir que j'enregistre un max de rush de ce jeu. Je reprendrai... Alors, c'est con, faut que je retrouve la piole pour sauvegarder. C'est idiot, ça. Bon, peu importe. Je reprendrai peut-être dans la soirée si j'ai envie de streamer. On va essayer d'avancer un petit peu dedans. Que je me fasse une bonne collection de rush. Et puis on verra ce qui se passe. De toute façon, je peux rien bouger là. Ok.
On va faire ça. On se retrouve dans la soirée pour faire un petit peu plus de rush, si l'envie me prend de streamer. Et puis on verra bien. Ouh là là, ça me donne envie. En tout cas, Signalis, ce qui fonctionne, c'est l'ambiance qu'il nous avait vendue dans son trailer, ça marche. Maintenant, sur le gameplay, on sentait arriver le jeu un petit peu Resident Evil, remake, like. Et c'est pas mal foutu du tout, hein, parce que c'est bien avec ces angles de caméra fixes. C'est bien avec ce côté un petit peu vintage du polygone qui est retravaillé tout en pixels. Maintenant, faut voir s'il va y avoir des scènes un peu d'anthologie ou si on va se contenter de couloirs, énigmes, énigmes, couloirs, casse-tête, zombies. Et après, on remélange et on ressort dans un ordre différent les mêmes choses. À voir. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Ciao.